Cette fois, il n'y a pas de raison. On va faire comme si le truc d'avant n'existait pas. Les cassettes rouges vous permettent de manipuler la réalité. Ah d'accord, yes. Gratuit. Faites attention à l'environnement et aux objets qui vous entourent et ceux de la vidéo. Utilisez l'avance rapide, le rembobinage et la pause durant les moments clés pour changer leur état et position. Très bien. Wait. Tu fais très peur par contre dans le noir, mon toto. Doucement quand même. Vas-y, mollo. Une photo comme celle qu'on avait vue au début du jeu. Doucement, 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 on va pas trop loin. Sans toi, je deviens taré. Over and out.
soigne un pauvre. Encore? C'est quoi ces photos? Enfin, c'est quoi déjà c'est. C'est quoi ces machins faits avec les photos à l'intérieur? Ok, non, je peux pas sauter, je peux que courir dans ce jeu. Wesh. C'est quoi ce machin? Oh, doucement, 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 doucement. Je vais le déglinguer lui, comment il parle? Allez, let's go mon grand. Continuons parce que c'est pas ces abrutis qui vont nous aider. Attendez, juste deux petites secondes. Raté, mauvais truc. Voilà. Excusez-moi. Déjà? Hé, reviens ici. La vraie question c'est est-ce qu'on n'est pas tombé dans un truc parallèle en fait, parce que vu comment c'est parti, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'as trouvé mon grand? Vas-y, trouve-moi autre chose. On sait jamais. Eh, doucement, tu vas où là? Qu'est-ce que t'as trouvé? Une cassette. Shows the man who did it. What? How did you... Wait, that tape? In the middle of a forest? That must be serious. Yeah, there's tapes that they make disappear. Désolé pour tes yeux, Bellet. Yeah, there's no time limit. We have to find the kid. He's in serious danger. Ellis, even if that's true, I can't let you go alone. You don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch him. Over and out. No, Alice, we shot in those trenches I saw earlier. Come on, Bellet. Let's check it out.
fasse bruit. Je dois vérifier s'il y a autre chose dans la camionnette. Des conserves. Très bien. Not what I'd expect in the middle of the forest. Then again, I wouldn't expect reinforced concrete either. Ouais, c'est ça. Ouais, attendez, on va le caresser un peu le Fleps parce que. Faut faire gaffe à la relation qu'on entretient avec le Kleps apparemment, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Il y a de drôles de bruit par contre. Hein. Hop. Belette, viens vers ici. Come on, Peter's in danger and we're the only ones who can help. Attends. Je suis pas serein avec ce jeu bizarrement. Aïe. You sure this is the right way, buddy? Are we walking in circles? Wait. What? Non, on peut pas tourner en rond, c'est pas possible. Belette, doucement, je te vois plus. Où est-ce qu'il est? Quoi? Oula, oh. What? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Soyez attentifs au comportement de Belette et grognements, vous alerteront des dangers qui rôdent dans le noir. Pendant les combats, restez près de lui. Oh putain, génial, on adore se battre. Je suis ravi. Il vous aidera à repérer les ennemis, mais deviendra vulnérable si vous l'abandonnez. Mais j'abandonnerai pas mon club, ça va pas, non? Je suis pas en fumier à ce moment-là. Y'a quelque chose ou pas? Y'a quelque chose. Qu'est-ce donc? Une cassette. Encore? C'est quoi cette cassette cette fois? Pardon. Par contre, si tu me dis que il faut garder la lumière près de soi, mais que la cassette elle s'est retrouvée là, est-ce que ça voudrait pas dire que c'est la personne qu'on vient de. Enfin, que c'est la créature qu'on vient d'attaquer, entre guillemets, qui était la personne du coup. J'avais pas prévu ça, tu vois. J'avais pas prévu qu'il y en ait un autre.
t'ai vu, saleté. Doucement, mon grand, doucement, 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 doucement. Pourquoi je peux pas courir? Reviens ici mon grand, s'il te plaît. Il est où? Belette? Où est-ce que t'es mon grand? Ah putain, tu m'as fait peur. Oui, moi aussi. Sauf que c'est là. Ah ouais, chaud. Il est où? Belette, me fais pas des frères comme ça, s'il te plaît. Ah. Je sens que le shérif il va clamser. Il va crever juste avant que j'arrive. Allez, viens, mon grand. T'es où? Belette? Ah putain, t'es là. Par contre, toi, c'est bien, mais c'est quel côté? Ici? C'est bien, mais... J'y retourne comment? Parce que je m'étais un peu beaucoup fortement perdu, en fait. Oh putain, ça va, il m'a... T'es où? Ce clef me fout les jetons, quand même. Il est où? Il est à côté de moi. Il est là, ok. Très bien. C'est con que je le fasse pas sur PC ce jeu, parce que les frayeurs qu'on aurait pu me faire pendant les streams. Le voilà l'arbre blanc. Il va crever. Il va se faire buter.
kid. Emmett. You there? Emmett. God damn it. What's the point? Où ça me rend? Je t'ai eu. Putain, il se déplace vite, ce fumier. C'est bon? Putain, il est vachement agressif, lui. Le B.A.B.A. de la santé. Il vaut toujours mieux se déplacer que de rester à ne rien faire. Ceux qui ne bougent pas ont 99% de chances supplémentaires de mourir. Il vaut mieux commencer à marcher. J'espère que tout va bien un peu loin quand tu auras un instant. Ah putain, j'aurais pu y accéder direct. J'avais pas fait gaffe. Bon. Au pire. Stay here, boy. Bunk? Find out. Sauf que pour ça, j'aurai besoin d'une cassette. Belette, c'est pas le moment, s'il te plaît. C'était pas la caisse qui était comme ça tout à l'heure. Canal 3, dit la lumière. Dites la lumière, ça regarde même. Ok. Ça pue cette affaire. Putain. Brise la vite, non? Qu'est-ce que t'as trouvé, mon grand? Ce que les petits se trouvent tout, il est incroyable. Bah non, attends pas, monte avec moi, non? C'est quoi ce machin?
Le tableau des fusées se trouve sous le volant. Pour identifier le problème en cas de panne, vérifiez. Veuillez vérifier les choses suivantes. Emplacement 1, fusible 15 ampères. Description, bobine d'allumage 2, 10 ampères. Capteur d'angle de direction du volant 3, 15 ampères. Module de commande fonctionnel, verrouillage centralisé. Sauf que moi, c'est les phares qu'il me faut. Donc c'est le 7 et le 9. Qu'est-ce que c'est ? Adam Brown a signalé à l'officier Wilson la disparition de Todd McKinnon. D'après lui, McKinnon lui fournissait du bois de construction mais a arrêté de le livrer depuis environ 2 semaines. Brown n'a pas réussi à prendre contact avec McKinnon. D'accord, je sais pas pourquoi ils sont passés en K majuscule d'un coup. De quelque manière que ce soit. 18:30, bon bah ça c'est l'heure, hein, sûr. Les recherches initiales n'ont donné aucun résultat. McKinnon n'était pas à son domicile. McKinnon n'a pas d'antécédents de troubles mentaux. Hypothèse actuelle, disparition volontaire. Très bien, c'est gratuit. Euh, 2015, les voisins de McKinnon ont déclaré qu'ils se rendaient souvent à la scierie abandonnée de la Tapis East Creek Timber Company dans la forêt de Black Hills. Sarah Wilson, officier en charge de l'enquête. Hein? No battery. Let's take a look under the hood. Il va y avoir une dinguerie. Non? Bon, très bien. Alors du coup, moi, c'est le 7 et le 9 qui m'intéressent. Psst. J'ai eu trop peur pendant 2 secondes. C'est le 7 et le 9 qui m'intéresse. Alors le 7 c'est du 20 ampères qu'il faut et le 6 c'est du 20 ampères. Je te montre pas. Hein. Il faisait nuit il y a 30 secondes. Et surtout, je suis en train de tilter que je suis plus au même endroit en fait. Où est-ce que t'es par contre? Ce clap me fout les jetons. Allez, cherche mon gant. Bah, belette. T'as rien, c'est ça? Évidemment. Comment t'as fait pour arriver là, toi? Putain. Eh, j'arrête pas de tomber sur ta messagerie. Enfin, ouais, je t'appelais juste pour... Je ne sais pas vraiment pourquoi, je pense beaucoup à nous deux ces derniers temps. Tu m'esquives ou tu es encore en train de te balader dans les bois? Enfin ouais, je t'appelais juste pour... je pense beaucoup à nous deux ces derniers temps. J'ai déjà eu ce message, t'es con quoi. Rappelle-moi quand tu auras du temps. Merde. Quel con. Yes. Isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You want to talk?
No, no, no. It's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about it. Seems all I do is apologize. And then I say something stupid. Trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should have us up to the grid and probably power up a small city. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while. Yeah, I guess we were. So, what happened? I don't know. I left. Life happened. Yeah. Donc, c'est notre femme ou notre ex-femme? Alors, par contre, si c'est Jess, ça va falloir m'expliquer comment ils ont fait sur ce téléphone pour mettre un fond d'écran. Stay, stay, stay. Je peux y aller sans risque. God, it's freezing. Apparemment, je peux y aller sans risque. Vaut mieux être très prudent dans ce genre de truc, hein. Parce qu'en CTP, on passe de jour à nuit en deux secondes. Gauche ou droite, moi. On va essayer par là. Sets of footprints. Both of us have nailed. Who's barefoot? Smoke. Ah, back it up. What is it, boy? Cinematic. Pour ceux qui ont toujours pas compris, le jeu PEGI 18, hein. Une photo.
experienced any consequence. And if someone wrong, give up. One of those people. Reste une pièce, mon grand. Et yo, mon Klebs. Qu'est-ce que t'as trouvé? Hop, hop, hop. Donne-moi ça. J'ai eu peur, je voyais qu'il avait disparu. Il lui a coupé, il lui a tranché le cou. Attends. Je pensais qu'en retournant en arrière, je pourrais éviter sa mort en fait. Mais apparemment non. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est la pelle. Doit être tombé par là du coup. C'est quoi ça? On dirait une jambe. Non. Ça donne la possibilité de retrouver des trucs. Là, elle est cassette rouge. Donc non, je peux pas croire que. Trouvé. J'ai pas eu, je suis désolé. Et si en fait. Ouais, non, attends, trop tôt pour commencer les théories. Beaucoup trop tôt. Putain, il m'a fait peur cet endroit. Attends mon grand. Euh,
Accusation numéro 1, infraction à l'article 52 du Code général des lois de Caroline du Nord, manque de respect et fait preuve de mépris publiquement envers les symboles nationaux, le service militaire et les soldats patriotes qui a... avec qui il a autrefois eu l'honneur de servir. Encore une. Par contre, y'a que moi que ça choque que. Qu'il y ait une cabane, quoi. Je te suis, mon gros. Ouais, ça me semble que. T'as trouvé, mon grand. C'est un casque militaire, ça? Non? Aïe. Ah, d'accord. Ah ouais, l'armée, ça lui a pas fait du bien. Wesh, on va rentrer dans l'arbre mojo, frérot. Frère, tu t'es planté d'univers, ça c'est Zelda, ça c'est... Bien. Where are you, buddy? Oh putain. Une photo. Lucas. Très malsain de me chuchoter à l'oreille, madame, quand on se connaît pas.
Vous avez un nouveau message vocal. J'ai envie de dire charmant comme tout, mais je vais me taper un screamer du feu de Dieu là. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is all mine. Adam Shaw, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I thought there was something I had to do. Had to. Couldn't. Eh, ça va aller les jeux d'horreur, c'est incompréhensible. Ah, mon toutou. Ça fait plaisir de te voir, mon grand. Bullet. Tiens, mon grand, prends ça. C'est un scooby Putain, je le voyais pas. Marius. C'est qui tous ces gens? Alors, la peur d'oublier les créatures par Todd McKinnon. Théodore McKinnon, mon père, était bûcheron. Quand j'étais enfant, il m'emmenait souvent avec lui à la Syrie située dans la forêt de Black Hills pour me raconter des histoires sur les monstres et les sorcières qui vivaient dans ces bois. Je me suis retourné à cette... Je suis retourné à cet endroit après presque 40 ans. Tout était exactement comme dans mon souvenir, exception de ce vide obsédant.
Personne ne racontait plus l'histoire des créatures terrifiantes. Il n'y avait plus l'âme qui, il n'y avait plus âme qui vive pour transmettre les légendes. La société forestière a fermé boutique et la vieille scierie a été laissée à l'abandon. Cependant, je ne pouvais pas la laisser tomber dans l'oubli. Pas tant qu'elle ne m'aurait pas révélé ses secrets. Pas tant que je ne saurais pas ce qui a poussé mon père à mettre fin à ses jours. Ah. Alors par contre, j'ai une vidéo à regarder. C'est ce qu'il y a juste à ma gauche. Si j'ai pas de conneries, c'est ce qui est juste en face de moi. Comment avoir les deux dans le même champ ? C'était pas là du tout. Où c'est que ça va être? J'aurais juré que c'était là, mais non, apparemment. Si le chien pouvait m'aider, ça m'arrangerait en fait. Je vais redescendre. Ça doit pas être loin de moi. J'aurais pensé que c'était ce rocher-là, mais non. Alors attends. Des fleurs violettes. Pardon. Ok. Il y a quand même une limite de zone, j'ai l'impression. Par contre, ça m'étonne qu'ils me disent rien sur ça. On dirait une porte. Passer. D'accord.
C'est dans le coin. Putain, encore une photo? Là, il y a des fleurs violettes. Je sens que je vais rater quelque chose. Normalement, c'est une roche blanche. C'est pas ça. Ça m'étonne. Un pneu. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as vu quelque chose? J'ai l'impression que je tourne en rond. Par contre, la musique d'ambiance est incroyable.
there? Yeah. Let's move on. Et moi, j'ai pas trouvé la zone que je voulais, ça me gêne. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Tiens mon grand. Essaye de voir si tu peux suivre ce chemin. Allez vas-y, je te suis. Bah, j'ai eu de la chance concrètement de le trouver. Quoi. Bah, de toute façon je pense que tous les chemins m'auraient amené là au bout d'un moment mais... Ici mon grand. Ah, de me faire des feintes comme ça. Encore une plaque. Elwood Ashley M, un négatif sans préférence. T'es quand même pas en train de me dire que notre perso faisait partie de l'armée et que ça, ce sont les plaques de ses anciens compagnons. Oula. Oh putain. Oh putain. Oh putain, y'a un truc dans les feuilles. Dans les feuilles. Oh oui, il y a quelque chose de sévère dans les feuilles là. Je te suis mon grand, cours. T'attends le déluge? Oh putain! Voilà, c'est quand tu veux. Putain. Putain, il y en a deux. Thank you.
Je t'abandonne pas, mon pote. Mais quoi ? C'est pareil dans quel sens ? Ok, j'ai eu peur. Come here. Bullet.
Heal. Je sais pas si ça va sauvegarder là. Aïe. 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 Come here. See where it leads. Par là, c'est pas la peine. Ouais, 100%. 100%, c'est que des personnes qui ont été tuées et qui faisaient partie de son unité. Vous avez un message vocal, putain, mais laissez-moi tranquille. Bande de démons.
Alors, Motolori. Putain, rien que le nom déjà, ça dormir par terre. Modèle TF-2153, c'est fabriqué par les ateliers Cuthbert Railway. Levier de conduite, interrupteur d'alimentation, marche avant, marche arrière. Levier de frein. Ok, donc ça c'est le frein. Wait. What? Il n'y avait pas tout ça. Là, le problème, c'est que je sais pas quelle erreur il y a. I hate when people do that. Encore une cassette. J'ai entendu. Nous venons de recevoir une nouvelle. Alors, Guidry, nous venons de recevoir une nouvelle livraison. Venez à la remise d'entretien, récupérer les pièces dont vous aviez besoin. Oh, bah. Troy, le débardage à vapeur, tapis, script, Timber & Co. Forêt de Black Hills, comté de Frédéric, Maryland, sifflet, soupape de sécurité, manomètre, soupape de régulation de la pression, foyer. C'est tout? Tiens.
il me propose pas. Allez, il me le donne pas le truc. Putain, il y avait une photo ici. Arcadius. Ok. Ouais. J'ai pas trop tué d'engrenage. Où est-ce qu'il va me voir pour bloquer ces trucs lui? J'aurais oublié un truc dedans? Nothing, eh?
suis un peu perplexe là. Inventaire de la remise d'entretien à la date du 26 juillet 1953. Nom, quantité, jauge de pression 2, meule 6, AT souhait, courant d'entraînement 13, valve en laiton 1, tuyau d'incendie en toile 9, signe Robert Fienne. Robert, il faut commander de nouvelles valves. Les gens du campement B ont pris la dernière pour leur treuil. Leur treuil, je suppose, Stan. Charmant. Putain, mais encore une photo de fou de moi. Sergius. Là, je suis pris dans le jeu. J'ai même pas envie d'arrêter. Je le vois le truc là en face. Je vais voir s'il peut pas me le ramener. Ah si, ok. Mais juste que je passe là. Ah bah c'est là, c'est le... Ouais, ok. Ça c'est un des trucs que je devais chercher. Et donne-moi ça mon gars. Je pense que le dernier morceau qui me manque est dans plus loin. Ah, le plus loin. Bingo. Campement B. Thank you.
Putain, il passait vachement près de moi, lui. La lumière elle est revenue, donc par principe ça veut dire que c'est bon. C'est quoi ce bruit? C'est très pesant. Bilan psychologique, illisible, résumé des antécédents. D'accord. Et raison de la consultation, le patient a été amené par ses parents en raison de crises de panique extrême, d'insomnie et de somnambulisme à suite d'un traumatisme. Je recommande 3 séances thérapeutiques par semaine. Un entretien préliminaire m'a permis de constater ce qui suit. Le patient essaie activement de ne pas se souvenir de l'événement traumatique, il souffre de cauchemars récurrents depuis l'événement, potentiel mécanisme de défense. Il fait preuve d'un certain engourdissement émotionnel et d'une agressivité irrationnelle, il semble également se dissocier de l'événement. De manière générale, il semble très nerveux, il est possible qu'il soit atteint de névrose due à l'anxiété. C'est notre perso ça, 100%. Ce jeu est vraiment pesant. Je te tiens. Il fait extrêmement sombre ici. Lorsque j'ai repris la caméra, ce vieil imbécile, je n'ai trouvé que des bavardages sur pied et tête. Mais j'ai vu, j'ai dit, ah oui, ce qu'elle peut réellement faire. À travers elle, je peux observer l'obscurité et apercevoir furtivement les créatures qui se dissimulent à travers elle, je peux voir ce qui échappe à mes yeux. Et à travers elle, je peux revoir mes actions passées. Elle ne veut pas que j'oublie. Alors attendez. C'est quoi, j'ai retrouvé toutes les plaques? Putain. J'ai réussi à choper toutes les plaques. C'est beau. Alors du coup, il me disait qu'à travers la caméra, je pouvais les voir. Ouf,
Clairement, j'ai pas la tête avec moi, donc il n'y a pas de raison pour que je puisse pas les voir. Maintenant, on se dépêche de retourner au camp. Ah. Et je pourrais m'arrêter là après. Ah, je peux plus courir parce que je suis essoufflé. Alors, déjà, la caméra, s'il te plaît, merci. Te loigne pas trop de moi, s'il te plaît, Bolette. Oh là là, c'était chaud. Eh? Man, the road's clear. Hop on, buddy. Back on track. Sauf que j'ai fait une connerie, je crois. Parce que ça, je crois que faut que je le remette en place. Ça du coup. C'est bon, c'est du bon côté qui m'emmène. C'est du bon côté qui m'emmène. Let's go! Oui, je sais. Bullet, je sais. C'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Faudrait juste avoir un point de sauvegarde. Il avait chargé mon téléphone. On est, toujours mardi, ouais. Je sais, Bolette, je sais. Ah, commence à faire jour, tiens. Par contre, je me rappelle pas qu'on ait fait autant de chemin tout à l'heure. Va arriver une dinguerie. Hein. Le truc qui va nous pousser, tu vois.
Ah c'est ça, il nous pousse hein. Je sais, Belette, je sais. La dinguerie. Elle va arriver maintenant. Sur le pont. Bon bah plus moyen de faire demi-tour. Hein. Wait. Jess. No, Alice, I'm sorry, but I won't let you drag me down with you. God damn it. Yeah, no, I'm sorry. I'll call you later. Ça m'a l'air quand même d'être une sacrée connasse. Hein. Parce que si t'aimes vraiment la personne, tu l'abandonnes pas, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Un éboueur ou quoi pour ramasser les poubelles? Enfin, pour ramasser les merdes qu'il y a dans une forêt, s'il te plaît. C'est ça la Syrie? On sauvegarde. On fait un test. Je fais juste un petit test, voir si je retombe bien là où j'ai fait le point de sauvegarde. C'est bien, je suis dans le thème de la niveau couleur. Alors, je retourne au même endroit. Yes. Ah d'accord, le point de sauvegarde, enfin le point de contrôle, c'est juste avant. Ok, d'accord. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Presque 2 heures de stream. Putain, ça passe vite. Merci d'avoir regardé ce second épisode de Blair Witch. J'espère qu'il vous aura plu. Là pour l'instant de ce que je vois c'est qu'on se détourne un petit peu de notre objectif.
Parce qu'à l'origine, on devait chercher un gamin qui a disparu. À l'origine, on devait chercher un gamin qui a été, qui a disparu, slash s'est fait enlever. Ça, j'y crois moyen, un peu facile. Et maintenant, on se retrouve à chercher le tueur du shérif, qui était sûrement celui à la fenêtre à l'heure actuelle. Bref, merci de regarder cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à me le faire savoir, vous connaissez les vues, le système. N'oubliez pas de rejoindre le Discord pour les notifs de quand je sors des vidéos ou quand je stream, pardon. Quand je travaille, je stream le lundi et le mercredi sur du Kingdom Hearts, le vendredi sur des jeux d'horreur, peut-être le samedi avec un jeu multi avec Bichette, donc Ghost. On se retrouve demain pour Cash. Je vais essayer de finir en plus vite ce jeu parce que je commence à en avoir marre. Sérieusement. Ah, du moins là c'est pour ce que je viens de dire, c'est pour ceux qui vont regarder la rediff le jour même. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée sur l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Et quant à moi je vous dis à demain pour le prochain stream ou dans la semaine pour un autre stream ou sinon à la prochaine pour de prochaines aventures. Bye tout le monde.